Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister Big Days. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un glitch de GTA V. Donc moi qui n'ai pas vraiment l'habitude de glitcher, je vous le montre juste parce que ce bug, je le trouve vraiment énorme. Donc ça consiste à dupliquer des véhicules pour les revendre ou pour les garder tout simplement. Donc là, on va les titiller un peu les policiers. Tout simplement pour qu'ils nous confisquent le véhicule. C'est notre but, tout simplement pour commencer à dupliquer. Là on va aller devant eux, voilà, pour être sûr qu'ils nous confisquent vraiment bien. On va appuyer sur Select, suicider, donc à 0$ quand vous êtes recherché. Et donc du coup vous suicidez, donc en même temps vous perdez un peu de fric, c'est assez regrettable. Mais bon, c'est pas trop grave parce qu'après vous en gagnerez plein. Donc avec ce bug, c'est plutôt rentable quand même. Je me suis fait confisquer ma dominateur comme vous voyez. Je prends une voiture tout simplement pour me balader un petit peu, voilà. Et donc vous allez essayer de trouver un coin qui vous semble plutôt bien pour appeler votre mécano. Donc une fois que vous appelez votre mécano, voilà, tranquille, on appelle le mécano normal. Donc on va se garer sur un côté pour pas qu'on bouge et que le mécano fasse la mer avec le véhicule. Donc voilà, on va se placer tranquille à droite. Donc vous voyez Dominator en fourrière. Et donc moi je vais commander un autre véhicule. Donc j'ai commandé l'Abati 801. Et dès que vous avez raccroché, vous faites Select, demandez véhicule personnel. Et là il va vous apporter le véhicule le véhicule qui était en fourrière. Voilà, donc il vous apporte le véhicule qui est en fourrière. Et donc là du coup vous l'avez en une fois. Donc il est juste plus à la fourrière. Vous l'avez juste eu normalement. Mais après, si vous voulez le dupliquer, et c'est là le moment le plus important, c'est que vous devez appeler la mutuelle. Donc voilà, vous transportez votre véhicule tranquille, normal, vous faites votre petit blabla. Et là, la Dominator, on peut la reprendre. Donc on la prend à 437 pour moi. Parce que c'est la Dominator. Enfin, après, ça augmente plus la voiture vaut cher. Là, je paye 437, ça va. Et donc là je vais couper au montage parce que je vais un peu le bordel avec ma voiture, ça va pas être trop intéressant. Donc on se retrouve direct à mon garage. Et pour vous montrer que la duplication a bien marché. Donc on se retrouve à mon garage. Donc c'est un garage 6 places, basique, voilà. Parce que j'avais pas trop d'argent. Et donc là ça me demandait de tout simplement supprimer un véhicule de mon garage. Donc là je vais supprimer un véhicule lambda, enfin à quoi je tiens pas trop. Tout simplement pour pouvoir continuer la vidéo. Donc j'ai supprimé la Gantlet, enfin je sais pas comment on le prononce. Je la remplace. Et donc, vous voyez, du coup j'ai deux fois la voiture. Donc si vous voulez juste dupliquer la voiture, voilà, c'est tout. Mais si vous voulez aussi vendre votre véhicule, bah, après ça, voilà, c'est très simple. Et c'est d'ailleurs le plus intéressant, je pense que c'est ce qui vous intéresse quand même un peu le plus. Qu'après tout, dupliquer son véhicule, vous n'en avez pas vraiment besoin. Au pire, vous cassez votre véhicule, vous appelez votre assurance. Enfin, ça c'est le blabla de GTA. Vous allez en direction vers Los Santos Houston. Donc je vous dis vraiment pour que la technique marche vraiment bien, prenez un véhicule qui a un minimum de valeur, pas qui vaut 2 centimes, quoi, parce que sinon vous allez passer un temps fou à vendre votre véhicule à l'infini. Ça va vraiment vous saouler très rapidement. Petite astuce, je crois que pour que le jour passe plus vite, donc là dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que pour que le jour passe plus vite, il vous suffit de quitter le jeu et de le relancer, je crois. C'est une petite anecdote, comme ça vous pouvez vraiment revendre le véhicule super vite. Là mon véhicule à la base vaut 50 000, mais à cause de l'accrochage que j'ai eu avant avec le poteau, mais du coup il vaut plus que 48 000, mais bon ça vaut quand même toujours le coup, je vous le cache pas. Parce que 48 000 plus 48 000 plus 48 000, au bout d'un moment vous êtes vraiment content. Même 48 000, ça me suffit. Mais par contre, faites attention quand même à prendre un véhicule qui a un minimum de valeur, ce que je vous explique. Donc vous voyez 48 000. Je le vends, je gagne 48 000, voilà, tranquille. Normal, jusque là, c'est mon business. C'est juste une revente de voiture. Donc, vous mettez tout l'argent que vous avez, vous le mettez à la banque pour être sûr de ne pas le perdre, tout simplement. Parce que si vous tombez contre des gens et que vous mourrez, bah, vous perdez tout fric, que tout ce que vous avez fait ne sert à rien. Donc c'est un peu con, voilà, mettez tout à la banque, ça vous rapporte vraiment. Donc pour moi la vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous a plu, et n'oubliez pas, je propose cette vidéo à vous, chat, c'est faire. Allez, à plus tout le monde.